Bonsoir à vous tous et joyeuses fêtes des mères à toutes les mamans de France, des Antilles et aussi toutes celles qui fêtent la fête des mères ce 29 mai 2022. Joyeuses fêtes à vous les femmes, que vous ayez des enfants, que vous n'ayez pas d'enfants, vous êtes quand même une mère pour quelqu'un ou quelqu'une qui vous considère comme sa mère. Donc, ce soir, H-Live vous propose une émission spéciale fête des mères. Je reçois pour vous une maman très spéciale. Une maman pas comme les autres. Une maman qui va nous raconter son histoire que certaines de vous, mères, femmes, va se ressentir, va se reconnaître à travers son histoire. Avec moi, nous accueillons Marie. Marie, bienvenue à toi et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Nathalie, merci parce que vous m'invitez sur H-Lab jeudi à mon cas. Fêtez tout le monde, bonne fête des mères. Aussi Marie, profitez pour me souhaiter une bonne fête des mères parce que aussi maman, deux petits garçons, deux belles petites garçons. Donc, Marie, donc, nous asseoir avec nous, nous avons que vous racontez nous, nous avons entendu aussi maman, deux petits garçons, qui l'a dit, mon sœur? Moi, j'ai deux garçons, premier, il est France, le deuxième, il est Mandy. Premier, il a 7 ans, le deuxième, il a 5 ans. 5 ans. Donc, Franceley et Mandy. Donc, qui particularité? Comment quotidien à Timoun ça, Franceley? Alors, parlez-nous de Franceley pour nous commencer. Franceley, pour me parler de Franceley, parcours français, c'était très bien. Grossesse, c'était très bien. À l'âge de 3 ans, c'était compliqué pour moi. Ça, c'était compliqué là-dedans. À l'âge de 3 ans, l'aime chita et m'a pas approché de Franceley, ils font crise. Mais pour moi, je ne pas comprendre crise là. Après, je suis parti dans le permis, je voyais Jean Verdier. Quand je suis allé à l'hôpital Jean Verdier, je découvre une maladie. La caïno, je laisse un handicapé, en France, je laisse un autiste. D'accord. Donc, qui genre de crise qui Franceley t'a fait? Quelle réaction? Qui sont les crises là? C'est nous chita dans le salon à Gatilé et chita à côté moi aussi. Les babas avancent sous lui, les repoussent. Même dit c'est pour la première fois que moi remarqué de bagarre ça là Kaili. À 3 ans. À 3 ans. Et après, me dit me pas comprendre. Après me dit moi les médecins me dit m'a pas approché côté Franceley, ils font une crise. Il a dit me venir, me bâti direct. Après, il a découvert autiste. Le médecin a dit autiste. Nous dit c'est quoi autiste? Parce que chez nous, on n'est pas comme ça. Mais chez nous, il a dit ça handicapé comme si on était monde qui papa lui relie sa bébé à la caïnon. D'accord. Ça a été à 3 ans pour te parler? Non, à l'âge de 1 an, il était parlé. Oui. Parlé, dit maman, papa, bibon. C'est à l'âge de 3 ans, il est comme chez ça. Donc, le revenu de l'autisme là, qui démarche, qui ça qui fait, qui soit fait, qui accompagne. Après, monsieur dit, on a fait un scanner et on a fait une prise de sang pour nous voir qui ça et qui ça le gagne. Nous fait prise de sang, nous fait scanner pour scanner et nous pas jamais trouvé qui ça le gagne. Donc, il y a pas comprendre pour qui ça que autisme là vient déclencher à 3 ans, il va trouver raison. Non, moi là on dit ça, me poser médecin question pourquoi pendant la grossesse, parce qu'en fait la grossesse et chaque mois et moi l'hôpital nous pas découvrir maladie, on dit non madame Pierre, maladie ça découvert à l'âge de 3 ans. Donc, alors après à 3 ans, comment là, vous venez changer. Comment vous venez vivre maintenant avec Franceley? À 3 ans, moi, je travaille puis je suis en formation. Les médecins disent, faut me laisser tout le bagage tomber, ni formation ni travail. Faut me laisser tout tomber. Moi, je ne campe ni formation ni travail. Pour qui ça, pour laisser tout tomber? Pour me occuper de lui, parce que on dit mon autiste, c'est pas qu'à laisser le même n'importe monde, parce que c'est pas tout le monde qui est capable d'adapter ensemble avec lui. Parfois, il fait des crises.
Parfois, même moi-même, j'ai besoin de manger ou pas qu'on ait besoin de manger. Avant, pour me prendre, pour me adapter, je me prends beaucoup de temps pour me adapter ensemble avec elle. Si mal quitté dans mon monde, il y a une pire pour lui parce qu'en fait, il y a plus d'autistes, il y a niveau 1, niveau 0, il y a plus, beaucoup de niveaux. Mais lui-même, il y a une chance, il est à niveau 1. Sous l'est dans mon monde, qui pas comprendre, qui crie sous l'est, s'il tombe à niveau 0, c'est pire dit. Ça veut dire que l'élève dans le niveau 0, elle a énervé, la... Oh. Qui comportement le doux la elle a vu une pidue parce que le pape a supporté, elle a vu faire des crises, elle a frappé tête l'inami, elle a crasé partout. Ok. Elle a pris une opposition, elle a comprendre encore. D'accord. Mais au même, alors, je pense que ça, c'est un choc psychologique lié pour qui accompagnement au barou avec Francely leur apprendre ça. Je suis et je suis chance aussi parce que j'ai une bonne équipe qui est ensemble avec moi aussi. Je suis assistante sociale, je suis tout le monde. Plus, je suis une famille aussi, et avec papa autour, qui ne va jamais abandonner aussi. Je deviens une assistante sociale, l'autre monde qui fait du match, aide à domicile tout, pour encadrer, parce qu'à l'âge moins, ce n'est pas tout le monde qui a passé, tu as une notice. Non, mais pour vivre avec elle. Donc ça veut dire qu'au niveau de la caillou, on a parlé que le café a pris le col de tous côtés, il faut faire des aménagements. Pour l'instant, non. D'accord. On sollicite d'attente. On sollicite d'attente. Oui, parce que j'habite au 9e étage. Je suis capable, ça fait 4 ans, je suis capable de ça. C'était le 29 décembre, il a failli tomber. Il a failli tomber. Je suis dans un centre commercial, même la caillou, où il est. C'est pour arriver et c'est pompier qui arrive avant tu as un paquet de messieurs en bas qui fait un match et monte une après une après qui pousse elle qui fait pas tomber le 9e étage là. 9e étage oui d'accord ça veut dire que maintenant même au condamné toute porte ça oui pour bien foncer pour bien aussi m'obliger avant et condamner toute porte mettez tout sous clé fenêtre cuisine toute sous clé Ou un deuxième petit monde, non, nous parlons de Mendy. Oui. Donc, on parle un peu de Mendy. Quel âge Mendy? Mendy, il a 5 ans. 5 ans. Et pour grossesse, pour tout le bagage, comment grossesse était passée? Parce que si Mendy a 5 ans, Francely a 7 ans, tu as dit que l'on a pris une maladie, Francely, mais Mendy a 1 an? Non, parce qu'en fait, normalement, Mendy, il est prématuré. Tu dois accoucher. En 2017, ma couche en 2016. On dit qu'il y a un an de cas. L'homme vient enceinte, on dit, je ne vais pas faire beaucoup de temps à l'hôpital parce que je fais 3 mois à l'hôpital, ma couche à 5 mois. D'accord. Ouais. Donc, 5 mois, ça veut dire qu'il était à l'hôpital parce que 5 mois, un bébé de 5 mois, il est petit beaucoup. Ouais, Mendy, il est à 800 grammes. Il fait 4 mois à l'hôpital. Au niveau de tout organe était qui est formé? Non. Alors comment? Là, mettons un bébé comme ça, 5 mois, souffre. Comment sent-on? Décris-nous vos sensations. Accouchement, c'était normal, même pas de chance ou elle. Parce que automatique, il a transpiré dans l'autre hôpital parce que l'hôpital a accouché à pas de néonat. D'accord. Normalement, au transfert dans l'autre hôpital, c'est l'air arrivé, ça fait un choc sur moi. Je me dis, mais parce que nous pas comme si nous comme ça, parce que l'entrée dans l'hôpital, c'est comme si c'est une pomme ou bien un raisin. Parce qu'en fait, 800 grammes, même pas 1 kilo, ça fait un choc sur moi. Après, je me suis psychologue, après, ça va maintenant. Je me dis que ça, bon Dieu, tout va bien. En plus, alors, en plus de situation, Francely, que vous vivez là, vous venez de faire un petit monde prématuré. C'est ça. Ça veut dire que vous nous confrontez à deux situations difficiles. Oui. Et parfois, ça fait mal comme baguette maman aussi pour me dire quatre îles, je dis, qui me disait de cabasse ensemble avec. Et maintenant, elle aime faire un petit monde avec l'âge moins, un petit monde prématuré ensemble avec une autiste. C'est pas facile. Elle avait dit, et tous les jours, l'hôpital avec eux. Parfois, elle me dit qu'il est asthmatique, il faut courir à l'hôpital ensemble avec elle. Parfois, Francely, il faut aller dans un rendez-vous ensemble avec elle. Automatique, tout le temps, c'est pour Timounio.
Parfois, pas même quelqu'un pour moi aussi. Nous avons expliqué au team que Mendy fait 800 grammes. Donc, lorsqu'il est dans l'hôpital, bah, on a qui l'hôpital dit parce qu'on pas dit que côté au team est dans le néonat là. Lorsque bébé ça sous tout appareil respiratoire ça. En tant que jeune maman, comment sens-tu? Comment sens-tu? Avec une sensation découragée, avait dit et au patate on bail que au patate en ensemble avec ça arrivait l'arrivée ouais on t'aime branché dans l'appareil c'est appareil la taille qui est dans l'appareil là pour manger et là donc pour prendre souffle et parfois on dit chaque jour compter c'est une délivrance pour lui parfois il compte faire des crises parfois il ne pas même connaître s'il a vivre même pour bien dire parce que un petit prématuré à 800 grammes, c'est qui avec appareil branché sous lit. Lorsqu'il à l'hôpital là, le regarder, vous saisir, vous choquer, vous dire mais c'est pas parce que on parle que nous pas connaît notre pays, nous c'est dans pays étranger, dans ville de Couville. Ça nous fait un choc sous pas fort, physiquement, mentalement, moralement, on pas qu'à combattre. Et pour que l'eau, est-ce pas demandé, est-ce qu'elle pas bien problème que plus tard on va poser question sur devenir de Timoun ça ou pas bien par rapport à France Lee qui a un problème autiste ou pas de paix pour lui-même pour pas bien l'autre problème pour pas bien un handicap pour Mendy pour handicap parce qu'en fait nous t'attendons à ça parce que quand Timoun qu'une à 5 mois il pas facile les mouvements me poser mes seins aux questions. Est-ce qu'il n'est pas fait avec un, est-ce qu'il n'est pas handicapé un jour, est-ce qu'il n'est pas un problème mental? Mais ils ont dit, ils ont suivi jusqu'à 18 ans pour voir s'il n'est pas un bagaille, t'as mal déformé la caille, parce que Mendy a changé jusqu'à 18 ans pour s'il n'est pas une déformation la caille. Mais maintenant, Mendy a 5 ans. Il va avoir 6 ans. 6 ans, il est bien. Ouais. Il parle lui-même, comment il est? Oui, il parle. Et il fait toujours dans l'école, les besoins bagages, il fait tout seul. C'est lui-même qu'on a qui aide Francely. Francely qui est plus grand, il m'a dit de passer pour plus grand maintenant. D'accord. Donc, les Francely, ça veut dire qu'il n'a pas accompagné Francely, parler, faire des efforts pour sortir des mots. Oui, parce qu'avant, Francely, je me suis dit à l'âge de 1 ans, quand on dit maman, c'est à l'âge de 3 ans, ça a coupé. Maintenant, il a 7 ans. C'est maintenant qu'il commence à dire maman, papa, et quand il veut, quand il a besoin de manger, il demande de manger. C'est à cause de Mendy a répété. Mendy a dit répétez, Francely, il commence à répéter aussi. Donc Francely a 7 ans. Qui, donc normalement, dans quelle classe il est maintenant? Il est dans la grande section, parce qu'en fait, il fait la grande section deux fois. Deux fois. Oui. D'accord. Mais pour l'année prochaine, est-ce que la prêté l'école dans la classe normale avec tout camarade Léo ou bien est-ce que le monde pour faire des marches pour aller dans l'école spécialisée ou, et puis pendant la classe, ça, c'est le grand on aide, ou AVS tapé d'île. Oui, parce qu'il est avec un AVS. Mais pour moi, parce qu'en fait, il est à l'école. Moi faire des matchs mais ce qu'il n'a internat c'est plus bon pour lui. Avait dit la plus progresser plus qu'il était à l'école normale. Parce que là c'est une temps le faire l'école là. Oui. 5 jours par semaine il fait une temps. Ça veut dire que sous 5 jours il fait 5 temps l'école. C'est et, ça. Oui, bah, oui, après il est enceinte, il partit le lundi, le mardi, le jeudi. Il fait 3 temps chaque jour. Non, sont adaptés pour tout le monde qui est malade. Qui ouais qui autiste ouais à l'aide de tout le monde qui gagne 7 ans même j'avais. Donc est-ce que vous rencontrez parents tout le monde ça non sont là? Au début on pas le voulait parce que pour moi c'est comme si c'est blessant comme si moi pas le accepter avec maladie Fancy. Au début, toutes les assises sociales ont besoin de rendez-vous pour m'aller, pour me rencontrer à l'hôpital, pour me rencontrer l'autre petit monde qui a le même problème avec Francely. Je me dis non, je ne vais pas aller. Après, je viens accepter. Je ne vais pas accepter la maladie de Francely. Et après, chaque année qui monte, je commence à accepter avec la maladie. Après, je rencontre l'autre. Maman, il y a un petit monde qui est plus mal que Francely. C'est ça, je me dis ah ouais, il y a un petit monde qui est plus mal que Francely. Je me dis là, je vais accepter avec maladie. Donc,
Est-ce que, non, donc, à part dans le centre-là spécialement, est-ce que y a l'autre côté qui Francely qui a allé pour jouer, pour rencontrer l'autre petit monde, à part dans le centre-là? Est-ce que pour aller en vacances, il y a l'autre côté qui a mené pour jouer, pour rencontrer l'autre petit monde, même pour rencontrer l'autre parent aussi? Non. Pas un centre comme ça, comme association. Oui, un centre comme ça. Yo bon, tout, yo dit tout ça. Yo, c'était moi pas d'accord, parce que me dit c'est parce qu'en fait, me pas d'accord pour moi. Au fond, si mon normal et pas gagné à l'âge de 3 ans, découvrir maladie ça parce que moi pas accepté. Maintenant, moi j'ai 7 ans. Il commence à faire tout à fait tout seul. Là, il n'entend tout seul. Il commence à manger tout seul. Maintenant, je m'accepte de rencontrer l'autre maman ensemble avec elle pour progresser. Il est bien tout seul? Non. Encore, il commence à essayer bien tout seul. Il n'a pas qu'à régler entre de l'eau chaude et de l'eau froide là. D'accord. Donc, le dosage de l'eau, il a toujours besoin de vous-même. Est-ce qu'il essaye de connaître faire les clés, ranger les chambres? Non. Donc, côté indépendance, ça y est, il peut beaucoup, mais c'est sans dire danger pour qu'on connaît. Mais pour la courir, pour ne pas traverser la ria, il part comme ça. Avait dit, son petit monde, je dis à Kawel bien, de me servir de changer, parce qu'il a changé à tout moment. Son petit monde n'a pas qu'à encadrer bien. C'est pour ça que je me décide de mettre le nom centre pour qu'à encadrer, que pour qu'à faire tout seul. Parce que, au cas où là, je dis ouais, il peut manger, il mange tout seul. Demain, il pas manger tout seul. Je dis encore ouais, il met des gâteaux, il met des gâteaux, il était tout radli. Sentiment nous pas qu'à arriver contrôler parce qu'il a changé à tout moment. Mais Francely lui-même, comment il parlait de frère, il a parlé à camarade de l'école, à l'autre, à famille, comment il décrit pour grand frère ça? Est-ce qu'il est conscient que c'est lui-même qui est grand frère? Il joue le grand frère. Il est là, il dit c'est mon grand frère, mais c'est moi qui fais tout pour lui. Un jour, il est à l'école et il t'a défendu à crier dans le couloir à l'école. Là, il sortit, il dit mais pas toucher grand frère, c'est grand frère. Après, le prend Francely, il met Francely sous lui. Il calme Francely. Ok. Donc, ça, il monte l'école, il te raconte tout ça? Oui. Donc, il est très protecteur envers Francely. Oui, c'est pour ça, dans l'école là, maintenant, il est dans la même classe. Il est dans la même classe. C'est pour ça qu'on mettait Youn à part. Parce qu'il puisse protéger Francely que lui-même. D'accord. Donc, il vraiment, il joue un plus ou moins le grand frère avec Francely. Ah oui. Donc, on a prend Mendy un peu. Donc, au niveau de l'école, à part, comme les amis, ils veulent jouer, même si Francely là, Francely fait une aide temps l'école. Les Francely partis, ils connaissent Francely pas là, ils pas pensé à Francely, ils continuent les mêmes journées normalement. Oui, c'est Mendy, il reste avec Francely que samedi, dimanche, parce que je mettais l'enceinte. Mettre fini l'école à 16h30, je m'occupe à 18h. Parfois, il fait presque une heure avec Francely. C'est mieux, comme leur continue mon autiste. Et le deuxième, n'a parlé, c'est mieux de parler pour l'autre la page, je souligne, parce qu'avant, au début, il était fait comme Francely. Maintenant, je cherche un moyen. Moi qui était là, il me dit il allait à l'école du lundi au vendredi. Ils sont et à la maison qui samedi dimanche. Le week-end, ils ouais. Sont ensemble. Ouais. Et là, on partit en vacances avec vous. Et comment vacances sont passées? Donc, parce que des fois, comment ça passe? Tout font repas familial ou nous partons en vacances en famille? Comment ambiance là y a avec Francely et Mendy et les soignants? Les vacances, j'aime aller en vacances. Vim, t'es venu changer Vim à rapport de Francely. Moi, pas voulu aller en côté ensemble avec pour que mauvais regard sous lui. Avez dit ces petites lui et petites lui ou protéger. Parfois, tu me dis qu'il fait ça, il salve les gens, l'autre monde n'a pas accepté. Parce que lui, il montait partout, il bougeait partout. Moi, t'es venu changer Vim. Anniversaire, mais tu as invité, je ne peux pas aller. Et le programme, je ne peux pas aller.
avec Zim Pal, on a encore ensemble avec elle. Bon, j'ai une chance pour partir en vacances ensemble avec elle, mais on a parti quand même pour moi comment elle nous partir en vacances ensemble avec elle, comment la pied. Après, on a le programme qu'ils ont mis, ils ont invité, ils ont dit non, pas qu'à venir, non, moi, depuis samedi, je suis un petit même, et pas tout le monde a accepté. Parce qu'elle, quand on a un petit monde qui est malade, elle a monté partout, on se regarde seulement qu'à 40 mois, plus, et malheureuse, jamais. Donc, ou même, au niveau psychologique, maintenant, comment sens-tu par rapport à avant maladie, Fransley, par rapport à avancement, Fransley fait, Mendy aussi, qui allait bien, même si il est en observation jusqu'à 18 ans, qui recule ou prend. Je dis, à qui impact ça fait, ou est-ce qu'on vit mieux, ou bien moins crainte? Avant, au début, j'étais plus paix. Maintenant, comme quand c'est grandi, il monte beaucoup de changements la Kylie. L'âme qui a laissé le camp au monde, l'âme pas gain. Moi, pas peur, j'en ai peur au début. D'accord. Mais qui soit là pour Fransley qui a 7 ans, qui soit pour lui? Qui soit à souhaiter là pour le grandir bien, pour l'épanouir, pour l'éducation? Qui soit content pour lui là. Ça me souhaité pour lui pour qu'il comprenne et au moins que demain si devait mettre il pas parler faut ta grand travail faut ta grand diplôme non mais. N'a dit bon Dieu décide c'est tout avec médecin pas qu'à faire pour lui encore. Me fait tout moyen pour lui, me fait toute bagaille pour lui. M'avancer tout et toute aide moi aider là après ça me décide mettre dans internat pour demain civil pour qu'à grand diplôme non mais pour qu'à travailler. Je dis à vous, on décide de parler des histoires ça pour apprendre et communauté à des timonotis comment à vivre parce que des mon qui des timonotis qui ont de ça qui peut parler de ça qui pas afficher yo qui message ou ta gain pour maman ça mais ça m'a bail toute maman yo qui gain petit monde et pas sauf petit qui ont petit monde qui handicapé dans mon il joue rôle dans société a il ca fait toute bagaille surtout petit monde autiste yo gain cerveau yo gain comprendre yo intelligent sou rejeté yo et puis dit pour essayer encadrer yo bail yo courage aider avancer. Parce que la communauté noire n'a pas connu l'autre, un petit monde autiste pour lui-même, si on n'a pas d'avenir. Il y a même un avenir devant eux. Seulement, je dis encadrer eux, aider eux à avancer, patience avec eux pour arriver. Moi-même, si je n'ai pas de patience, je dis à Fonse et Fonse Pata, j'ai confiance dans la tête. Donc, quand même, moi, je trouve son femme vaillante, une femme courageuse pour tout. Soit dio pour gens vécu yo moi c'est que faut gain beaucoup courage mais ou dire au début aussi que ou mettez la vie entre parenthèses formation travail ou si Fransley t'a trouvé en stabilité donc est-ce que ou qu'il soit retourné dans vie active formation depuis au prend Fransley dans internat. Parce que ma baille, ma préoccupé le vendredi, faut me continuer formation parce que j'ai fait un an en formation déjà. Faut me continuer formation. Un petit monde autiste, ce n'est pas facile pour la communauté côté de la vie là aussi. Tout parce que beaucoup de gens ne sont pas concentrés sur l'autisme. Automatiquement, ils prennent France Lé, ils décident de prendre moi-même, je continue formation. D'accord. Moi, tu as remis, je prends France Lé beaucoup, mais psychologiquement, France Lé. Vous préparez là ça, vous expliquez parce que si mon ça, il habitue beaucoup à avoir séparation. Est-ce que vous dites comment actuellement on travaille séparation Fransley si je dis à demain t'as trouvé un centre disponible le tarélo lui même pour pas parce que dit des fois il y a pas qu'à contrôler réaction pour pas avoir mauvaise réaction. Est-ce que vous préparez psychologiquement petit à petit à séparation ça. Mais ça fait un an m'a préparé. Ils comprennent, non pas ensemble avec ils comprennent. Ça fait un an m'a préparé, même ça fait plus que 3 ans moi m'a préparé moi aussi pour passer premier petit tour, c'est pas facile. D'y attacher ensemble avec elle, il pas facile pour lui premier semaine de semaine.
comme le boy me dit yo plus adapté ensemble avec Simon Sayo la et pas ba me bailler non moi décidé mettre pour l'avancer. Tu as dit que l'autre pas bailler ou pas les pas critis toute semaine non toute mois la retourner va et la partie du lundi la rentrée le vendredi et partie dimanche les vacances là pas avec Coco internat là. Oui. Mais comme s'il était un internat. Donc, sous préparer Franceley, logiquement, Mendy, qui a joué un gros rôle pour Franceley, qui élevait les jeunes Franceley dans Kaila comme ça, lui-même, est-ce qu'on parle ça avec elle? Qui ça le pensait? Elle a parlé ça avec moi. Et Mendy m'a dit, Franceley, parle qui, bon maman? Nous dit, Franceley, il faut aller partir pour qu'il devienne un bagage demain. Parce que français pas même gens ensemble avant c'est deux team entre français même c'est différent mais il pas comprendre et français même dit pas comprendre l'aime dit mais dit à partir français non désolé mais dit pas comprendre l'aime dit français à partir c'est deux bails différents c'est les français et l'aime français parti et les ça m'a pour qui wali jouer sur les. D'accord. Donc, il faut beaucoup arriver comprendre qui si parti a qui côté Mendy qui côté français pour aller. C'est ça. Donc, on parlait beaucoup de papa, yo, donc qui présence papa lui-même aussi, parce que même si ça a dû pour le moment, mais nous pas capable parler de papa et papa lui-même. Comment il a vécu ça? Parce que c'est quand même petit garçon, tout, ouais. Nous connaît l'importance au petit garçon pour papa. Donc, comment papa est lui-même? Comment il a vécu la situation? Au début, c'est pareil, même j'ai ensemble avec ses premiers petits lits et nous fait France les jeunes aussi. Pour jusqu'où il y a beaucoup adapté ensemble avec ça. Mais il est résilient quand même. Il est résilient, donc les évolutions France les lui aussi encourager France les lui jouer à France les qu'on croit avec Mandy. Est-ce que vous avez même relation? Même relation avec Mendia, même relation avec Franceley? Oui. Nous n'avons pas gardé comme si Franceley autiste. Il y a eu l'amour, Franceley l'amour moins, Mendia l'amour plus. Tout le monde a même l'amour. Donc, ça aussi est important. Ouais. Donc Marie, donc moi vraiment content. Donc, n'a pas rappelé téléspectateurs que je dis à ces fêtes des mères. Donc, dans le cas de fête des mères, là, nous avons Marie avec nous, qui a parlé de la fête des mères, de rôle maman, qui a un petit monde autiste, qui a un petit monde prématuré, les mêmes, comment tu as vécu cette situation, ça, qui aussi, tu as encouragé tout maman, tu as vécu ou bien qui t'a vécu une situation comme ça pour le verbaliser, pour ne pas garder au poulet. Puis si nous voulons parler de ça, que gen psychologue, gen centre pour ça, et fini tout monde ça, il faut nous pas considérer comme des petits monde qui pas gen avenir, parce que avenir tout monde ça, même les petits monde qui ont un handicap, le bon avenir, surtout dans le pays n'a vivre là, nous connaître encadrement tout monde ça, gen, il faut que nous bayons chance, il faut que nous poter mettre en avant pour aussi les nous pas là demain, les nous mourir pour tout monde ça aussi. Qu'à vivre normalement pour gagner indépendance yo. Voilà. Donc Marie, on t'a même connaître que comment est-ce que des fois on pas penser si je ne sais aucun problème qui ça ti moun a deviné son même. Par contre penser à ça. Moi pas ça avec tout mais m'kadou. Moi j'ai une famille qui ou pas du compter sur famille ça va me gagner grand sœur aussi qui ca aider mais papa yo là plus et là pour eux un jour me pas là il ca prend relais à je me compte occuper là c'est comme ça l'occuper tout mettons je me pas là me pas bien comme si me pas bien remarqué me pas quitter non mais papa yo parce que là non papa et son bon papa lié là pour occuper même gens ouais me te qu'on occuper ouais. Donc, et si nous tous les deux avons un problème, comment qui précaution que nous prend pour avenir Timoun Sayo? Nous fait en lettre, nous mettez là. Si nous tous les deux avons un problème, nous grand sem, c'est non mais au la pied. Même j'ai avec papa yo, si au grand problème, il même il est en choisi, moun tap prend yo.
D'accord. Donc, nous pensons à assurer l'avenir de Timounsayo au cas où, parce que nous ne savons pas de qui ça fait l'avenir, qui nous a un problème pour Timounsayo, lui aurait-il nommé de personnes de confiance, que nous avons confiance, que nous connaissons à bien encadrer Timounsayo, Francely et puis Menti. Oui. Donc, Marie, je vous remercie pour présence pour émission ça. Et là, maintenant, ma petite 10 derniers mois, si vous besoin souhaiter une bonne fête des mères, approche-vous. Donc, c'est l'occasion. Bon, merci aussi. Ma petite, mon qui t'encourage moi aussi, mon qui t'est là pour moi, dans le moment difficile, on a dit Berta, Sajus, Polissa et Laos, Nathalie Jordani, Mata Gansem, et Rose et Marine Fansley. C'est mon salut qui t'est bon force à courage que je dis à l'âme qui a campé, je dis à l'âme qui a parlé aux deux petits moins. Ma petite, merci beaucoup d'être invité. M'a dit bonne fête à toute maman. Courage, mettre au grand Simon qui est handicapé dans mon courage, mais bonne fête à tout le monde entier. Merci Marie. Et puis bonne fête à vous, mes chères et tendres mères, chers téléspectateurs, ou même qui gagne Simon, qui pas gagne Simon. Je dis à ces fêtes tout et H Live. Souhaitons une très bonne fête et à l'année prochaine.